Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur la MBC TV. Écoute, ce soir, nous lançons une série de programmes qui fait la rétrospective des Jeux des îles de l'océan Indien. Des Jeux dont l'histoire remonte à 40 ans, ou bien un rappel, qui le 25 août 1979, à l'île de la Réunion, les premiers Jeux furent débutés avec près de 700 athlètes venant des différentes îles de l'océan Indien. Et depuis, il y en a 9 éditions, dont la 10e, pour faire chez nous, à l'île Maurice, du 19 au 28 juillet prochain, à Côte-Nupéatan, près de 2000 athlètes, cette fois-ci un jeu qui peut prendre une autre dimension. Nous peut poser aussi la question, mais comment ça va un jeu de l'océan Indien a commencé, comment les fin faire qui rassemblait les peuples des différentes îles de l'océan Indien. Tout d'abord, laisse-nous revenir sur cet événement-là avec la genèse que nous propose Jock Gokul. 28 juillet 1974, le comité régional olympique et sportif de la Réunion émet l'idée d'organiser des Jeux de l'océan Indien. Une commission est constituée pour établir les grandes lignes de ce projet d'envergure et les réunions de travail se multiplient auprès des CNOS. Juillet 1976, le comité international olympique donne son aval pour la concrétisation de cette manifestation sportive qu'on nommera les Jeux des îles de l'océan Indien. Les grandes manœuvres sont alors enclenchées. Octobre 1977, un projet de charte est élaboré, 13 disciplines inscrites au calendrier et la présidence du KIJ revient à Jean-Roland Delêtre, président du CNOM. 3 réunions se tiendront pour tout finaliser en mars 1979. 6 pays sont attendus, la Réunion, Maurice, Seychelles, Comores, Maldives et Sri Lanka, qui déclarera forfait à la dernière minute. 25 août 1979, stade de Saint-Paul. Un millier d'athlètes marquent l'histoire d'une grande aventure sportive. On entamait alors la grande éruption. ...1979, une date historique dans l'histoire des Jeux des îles de l'océan Indien. Le Tindiao début que Maurice, comme d'autres îles, finit représenter dans cet événement-là. Il y a beaucoup de participants mauriciens, beaucoup d'acteurs. Et parmi ces acteurs-là, il y en a qui rejoignent nous sur le plateau ce soir. C'est avec beaucoup de plaisir, de fierté, d'émotion qui nous accueillent donc pour l'émission rétrospective 1979. Le grand départ avec Margaret Félicité. Margaret, bonsoir. Bonsoir. Vivian Angaram qui nous retrouve avec beaucoup de plaisir lors de nos différents plateaux de la MBC. Et plaisir bonsoir. Également de retrouver Romy Djoganaïklou, bonsoir. Judex Basile et également Niamal Rewaz. Ils vivent intensément cet événement qui marque l'histoire des Jeux. D'abord, laisse-nous revenir avec vous, Margaret, en tant que seule dame sur le plateau. Quand nous dire 1979, grosso modo, qu'il y évoquait pour vous? Il y a un bon souvenir que nous avons gagné dans un premier jeu des îles de l'océan Indien. Là. Moi-même, je suis athlète, je suis un poids et disque. Je me souviens qu'ils n'avaient pas oublié. C'était un des premiers événements internationaux qui vous y participé ou ça tient à d'autres avant? Non, avant, nous allons représenter Maurice La Réunion. Mm-hmm. Mais ça, c'est une lutte cachée. Oui, c'est une lutte, oui. Et Vivian, où, en tant que capacité, où tu es là-bas, nous connaît qui aujourd'hui est responsable de l'athlétisme mauricien. Et 79, c'était quoi pour vous? Pour moi, 79, c'était la première fois que je me fais partie de l'équipe entraîneur de l'athlétisme pendant le premier jeu. Et ça, c'est vraiment très excitant dans mon nouveau rôle. Et rencontrer les autres entraîneurs de titre dominé, les jeux de titre dominé en athlétisme, hein, par des entraîneurs français qui accompagnent l'équipe réunionnaise. C'est à cause de ça, une des raisons comment l'équipe La Réunion titre dominé en athlétisme. Mais nous, pour nous, les petits Mauriciens, on a bien fait, on avait bien fait à l'époque. Ouais, nous, avec nous, le nous, moyen nous de. Bord. Justement, Côte-Maurice finit à ce épingle du jeu, comment nous dire, avec des anecdotes qui nous pouvaient évoquer sur ce plateau. Et quand on nous parle aussi de bonnes nouvelles, Romy Djoganaïklou, pas vous avez le contraire en volleyball masculin.
Oui, ça c'est un souvenir qui reste inoubliable. Parce que nous, en tant qu'athlètes, à l'époque, quand nous pouvons participer, quand nous pouvons jouer volleyball eux-mêmes, nous ne connaissons pas un événement pour arriver. Quand nous donnons ça, nous apprenons ça, et nous comptons, et nous comment dire, faisons un maximum pour nous capables d'arriver, pour être dans la sélection. Parce que ce n'était pas facile à l'époque. Tu faisais bosser, travailler dur pour qu'on rentre en sélection. Il nous pourra raconter un petit peu le parcours de la sélection mauricienne un petit peu plus tard. Là, nous accueillons aussi Judex Basil, l'Ilicienne jeune de l'époque, 79, et l'ITPE, Bizin, Pote ou le quadricolo dans cette discipline, surtout de la catégorie des plus de 81 kilos en boxe. Oui, 91. Et c'était un grand souvenir. Hein. Bon, grand souvenir, surtout, à l'époque-là, et tu n'as qu'à peu près 3 ans d'expérience en boxe. Et la première fois en tant que des îles. Et surtout, et ça c'était un grand souvenir, très grand souvenir, et surtout pour. Et c'était pas l'habitude de. Comme si nous, jeunes personnes là, et surtout les 4 pays, parce que Madagascar, petit peu, prend pas. Mais quand même, c'était une bonne expérience. Et maintenant, avec 40 ans, on a une tendance oubliée, mais quelquefois, quand on essaie de revivre les souvenirs, c'était quelque chose de très grand. Grande expérience aussi pour tous ceux qui finissent participer, parce que les Jeux, ce n'est pas simplement que de gagner, mais c'est une occasion de partage, expérience à titre personnel, collectif, et c'est aussi le cas en football, même si au bout, eh bien, Maurice pas fin être sur le podium, mais à titre personnel, beaucoup quelque chose enrichi ou encore Niamal. Oui, certainement. 40 ans de cela, moi, j'ai 23 ans. C'est une sélection. En 70 ans, je fais une sélection. Mon 4e cap, c'était ça. Et le premier match que nous avons, comment on met un goal, nous gagnons 3-0. Mais ce qui m'a content, c'est que là-bas, à l'île de la Réunion, quand nous étions, ce n'était pas football, ce n'était pas athlétisme, c'était l'équipe Maurice. Quand le football, le PSG, nous applaudit. Athlétisme, nous allons. Quand on a football, vous êtes venus. Donc, c'était une synergie. Nous, Mauriciens, nous sommes fiers. Parce que le premier jeu qui nous a dit ça. Et belle occasion d'unité, nationale, comme nationale, cela s'est vérifié aussi en 1985, Niamal, où fait une cause, sa l'entente, qu'il y a dans le club Maurice, qui finit vivre aussi d'autres émotions avec les médailles rapportées dans d'autres disciplines. Gabriel Anazo, par exemple, en cyclisme, nous finissons les tennismen, nous finissons la benzure de tennis de table, de badminton. Nous pouvons à l'occasion évoquer tout cela juste après ce reportage sur la cérémonie d'ouverture qui t'y fait au stade de Saint-Paul. Samedi 25 août, 14h45, dans le stade régional olympique de Saint-Paul, 15 000 places construites spécialement à l'occasion de ces Jeux, sont frappés les 3 coups de la grande fête du sport et de la fraternité. Les premiers acteurs tomberont du ciel, applaudis par 12 000 spectateurs déjà enthousiastes. Du ciel aussi seront venus les drapeaux des pays participants.
Le décor est planté, le spectacle commence, c'est un peu l'entrée des artistes. La plus grande manifestation sportive jamais organisée ici commence sous le signe de la jeunesse et du charme. Le défilé d'ouverture, après les majorettes, vous verrez les hôtesses, 140 jeunes filles lycéennes, étudiantes, enseignantes, toutes bénévoles. Enfin, les athlètes, et vous reconnaîtrez au passage les délégations des 5 pays participants. Et à 16h30, très exactement, Bernard Landouzi, le préfet de La Réunion, va ouvrir les Jeux. Au nom de M. Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, je proclame l'ouverture des premiers Jeux des îles de l'océan Indien. Ce sera la cérémonie de la flamme portée par Véronique Groslot, 15 ans, championne de tennis.
et par Raymond Tangachi, 36 ans, le marathonien réunionnais aux pieds nus. En concurrents loyaux, respectueux des règlements qui les régissent et désireux d'y participer dans un esprit chevaleresque pour la gloire du sport et l'honneur de nos équipes. C'est Jacqueline Apavou qui vient de prononcer le serment olympique. Elle est une vedette du sport réunionnais, de l'athlétisme réunionnais. Samedi 25 août, 17h30, que la fête commence. Retour sur le plateau de sa émission spéciale consacrée aux Jeux des îles de 1979. Il y a quelques instants, Niamal Rewat évoque sa l'entente, l'unité qui tiendra au sein du club Maurice. Vivian Gangaram, Lili Fin est là comme une personne qui donne un coup de main au niveau de l'encadrement. Et justement, quand Niamal évoque ça, on trouve quand même esquissé, dire qu'effectivement, c'était le cas. Que tout le monde tient celle, où il vit intensément, certes, la bonne performance des Mauriciens sur la piste d'athlétisme, mais nous finissons aussi applaudir bien d'autres, nous encourage bien d'autres dans une discipline qui nous participe. Il y a une chose qu'il ne fallait pas oublier. À chaque fois, il y a un jeu des îles, que ce soit à Maurice ou ailleurs, l'équipe mauricienne, l'unité mauricienne renforcée. De tout temps, le sport, c'est un élément unificateur. Et pendant les Jeux des îles, même pendant les préparations quelques jours avant, c'était ça. À la réunion en 79, comme à Newal, il y a exactement, nous t'y allons applaudir, même au parti contre Newal, nous allons applaudir, nous féliciter. Nous partions, nous tenons l'équipe, un esprit d'équipe à l'extérieur, mais pas tenons pas un rassemblement comme on nous fait maintenant. Nous partions contre nos camarades des autres disciplines. Mais la camaraderie, tu fais du moment que tu es dans le sol, tu es dans le village, sur le sol étranger, ou dans le village, là-bas, ou à Maurice. C'était l'équipe de Maurice. Et comment on accueillir, justement, Margaret, une performance des uns et des autres, quand vous étiez regroupés au sein du village des Jeux? Vous pensez, tu caves peut-être, dire un petit mot sur le village des Jeux, comment l'ambiance c'était? Non, l'ambiance, c'était très bien. Tout le monde, athlète qui rayonnait, qui mauricien, enfin, les autres encore, nous tous, nous jeunes. Vous êtes typé prendre renseignement. Un camarade mauricien, par exemple, qui fait un petit peu plus tôt, lui, c'est évoque Gabriel Nazo, qui vient de gagner avec l'équipe Maurice dans la compétition par équipe. Nous rappelle qui Gabriel, Lili Tiena comme coéquipier, Calypso, Kélan, Fayol, belle équipe mauricienne. Par exemple, aussi en tennis de table avec Océni, Anne-Marie Liwanpai, Ena Itier, Ena dans tennis. Donc, il y a beaucoup de noms quand nous trouvons eux, nous fiers, oui. Quand nous gagnons même Mauricien, être sur le podium. Oui, nous très fiers. Quand Lucie paraît nous faire athlétisme, tout ça, nous regardons, nous. Partout, nous allons nous regrouper, l'équipe et athlétiste, nous regrouper, nous allons nous prendre le bus, nous allons regarder le football. Enfin, quand nous libres, quand nous payons la compétition, et là, nous sommes dans le 27. Alors, justement, quand nous, confrères de RFO Réunion, aujourd'hui Réunion première, il évoque dans différents archives sur lesquels nous puisons, The Type Cause, deux surprises en 79. La surprise en cyclisme et la surprise aussi en volleyball. Pour vous, était-ce une surprise quand nous gagnions en masculin? Pas exactement, parce que la Réunion, il y a une facilité que vous avez gagné, vous allez faire un camp d'entraînement en France. Je pensais d'être supérieur, mais Maurice, c'est nous, ça, l'unification qui tient là. Nous tient une équipe unie dans l'entraînement. Nous te dire quand nous allons, nous ne pas vous sortir deuxième. Nous mettons un but au départ. Et ça, vraiment, et nous tient un joueur excellent.
le grand Roberto Juel, qui a pas douvé dans le Vendette et autres, pour nous amener. Et nous tous, comme une équipe, nous montons le terrain, nous prenons une défaite des armées. C'est victoire qui t'intéresse. Donc le mental y était. Le mental était fort. Alors, le mental très fort. Justement, je t'évoque la participation de bataillon de Joinville dans la préparation de l'équipe de La Réunion, oui. Alors qu'il nous, il n'est pas la même préparation qui nous met la tête gagner aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons gagné beaucoup d'ouverture maintenant, même à Maurice. À l'époque, nous avons 10 nous l'amour que nous avons pour le sport. C'est ça qui nous fait nous triompher. Mm-hmm. Parce que tout le temps, je me rappelle, nous avons un entraîneur qui est au niveau de l'équipe, au niveau national, dire Zamé vise la seconde place, tout le temps la première place. C'est ça qui nous fait nous la force. Et aujourd'hui, nous sommes fiers quand nous avons l'encadrement que nous gagnons. Et on me rappelle, nos entraîneurs Jean-René Moutia, qui mettent nous à un niveau que nous devons aller comme dans une bataille pour gagner. Mm-hmm. Et justement, ça mental-là, on connaît ça bien, Judex, quand nous connaît qui, par exemple, tu as une finale, qui t'y fait peut-être en deux fois, ou peut-être donne-nous plus de précision, 3000 Dimoun dans une finale. Qui ça fait pour un jeune de 22 ans à l'époque Alden finale contre le Réunionnais Marlboro. Et il faut dire que la veille, c'est ça, le jour de la finale, et seulement trois finales qui finissent à lieu, suite à tiens, grand la pluie, et tu fais ça le stade de l'Est, d'après le quotidien, tu as 3000 personnes. Mais heureusement, après, et le lendemain, lorsque il finit de faire, tu as à peu près 1000 personnes, mais quand même, tu en as beaucoup. Et c'était pas facile, et surtout, tu en as beaucoup de ben, problèmes, et surtout quand un combat, juste presque deux combats avant, quand J.V. Paya, et ben, la finale de la boxe, et J.V. qui a un passive defense, participé à répondre, et le détroit, l'attaque l'adversaire, c'est chez lui, et l'arbitre n'arrête ça d'un seul coup, pendant ni pas de compter, pas de mi-shot, et qui n'arrête la boxe. Et à côté aussi, et la boxe, et Mauricien, et l'équipe de Maurice, tu peux envie de retirer. Alors tout ça, c'était une grosse chose qui tu faisais gérer. Mm-hmm. Mais heureusement, à la fin de la journée, tout bien passé, malgré les difficultés. Alors en football, nous connaît Niamal 1979, juste avant. Les années qui précèdent les Jeux. Ouais. Maurice, tu as un terrain dans l'océan Indien, vu qu'il nous t'y paye gagne un tournoi triangulaire à l'époque, à côté de Maurice, Madagascar et La Réunion. C'est peut-être une des bonnes déceptions de l'époque. Nous t'y avons le potentiel, mais qui finit passer? Ah, vraiment, je dirais, Maurice est favori pour les premiers Jeux des îles, pour gagner la médaille d'or. Mais Madagascar prend pas rapport, il y en a seulement 5 équipes. Il y en a Maurice, Maldives, Seychelles, La Réunion et Comores. Donc, il fait 2 poules. Une poule de 3, il fait Sierra de Sol, et une poule de 2. Poule de 2, il y en a Maurice et Comores. Donc, il y a joué 2 matchs. Le premier match, nous gagnons 3-0. Le deuxième match, nous gagnons 3-1. Nous allons en semi-finale contre les Seychelles. Mais nous finissons comment la boxe en vie de nous sommes tellement pénalisés, nous sommes 4 goals, le match est un, fini un. Quand on est allé au tiers au but, pas capable, pas connu que ça n'a pas gagné. C'est la loterie. C'est la loterie, hein. Nous avons perdu au tiers au but. C'est ce qui fait nous en colère. Nous n'êtes pas capable d'être pénalisé comme ça dans le match, par l'arbitre. Donc nous sommes un peu en colère, nous disons, nous ne pouvons pas jouer, etc. Et le lendemain, si bien, jouer contre Comores encore une fois, une troisième fois contre Comores, et Comores, Mamadelaïti, j'y allais à la télévision, Banaïti fait pour la tuerie. Nous avons blessé, bien. Banaïti venait ici pour blesser nous. Et pratique de l'anti-jeu. L'anti-jeu. L'étant donné, pas le. OK, le lendemain matin, nous levons, nous d'accord pour le jeu. Nous allons un petit peu en retard. L'étant ban dirigeant, convaincu, nous allons nous retourner à nous. Nous allons là-bas, il finit d'un. Comme moi, médaille de bronze. Banaïti, j'ai médaille de bronze dans les coups. De nous parler par le jeu, nous autres, nous. Donc, c'était vraiment décevant, mais seulement dans le sport, comme tout le monde sportif, là, nous faisons qu'apprendre compliments et critiques de la même façon. Donc, c'était ça, et moi, extra content qu'en 85, nous gagnions.
Comme en 2003. Comme en 2003. Et nous l'espérons cette année-ci également en 2019. Mais c'est que moi, je suis content dans ce groupe-là. C'est que tantôt, nous pas le dîner, tout le monde est laqué. Nous, nous restons dans une place avec le lycée Buteau. Hein, le lycée Buteau, dans une classe, nous avons 20-25 joueurs pour rester, 20-25 athlètes pour rester. Donc, nous prenons plaisir. Nous prenons plaisir, nous sommes contents. Et tantôt, quand nous parlons de déjeuner, quand nous parlons de dîner, chacun peut faire son camarade d'athlète. C'est qui est arrivé, c'est qui est arrivé. Donc, c'est une ambiance extraordinaire. C'est une l'entente, c'est une cinéaste. Écoute, nous sommes extra contents. Nous, Mauriciens, nous avons envie de connaître tantôt les gens nous venir, combien de médailles nous gagner, qui ça va nous gagner, qui ça va nous gagner. Donc, c'est ça. C'est ça qui. Ça l'entente, là, ça. Sa mentalité-là qui nous vient. Là. Nous, pour Evin, sa tremplin, qui était 1979 avec nos différents invités. Comment 1979 fut le point de départ pour qui Maurice en 85, eh bien, lui aussi relève le défi et dans d'autres éditions qui finissent vini, nous pécause beaucoup sur les performances mauriciennes. Laisse-nous faire un petit rappel de ce que l'île Maurice fin réussit en terre réunionnaise en 1979. 10 jours de compétition pour cette première édition dans 13 différentes disciplines, de nouvelles infrastructures installées, comme le stade olympique de Saint-Paul où l'ouverture avait eu lieu, le stade de l'Est d'une capacité d'accueil de 15 000 places, d'autres gymnases et la piscine du Chaudron. Chaudron, lieu du village des Jeux également, où 145 hôtesses étaient à l'œuvre. Si les premiers Jeux affichés en logo, soit un volcan en éruption, il n'y avait pas de mascotte. Côté performance, le duel était passionnant entre La Réunion et Maurice avec les Seychelles comme arbitre. L'épreuve reine, l'athlétisme, dominée par les Réunionnais, mais belle réplique des Mauriciens avec Annabelle Nérac, Marie-France Mamdi, Joël Mervin, Linda Monti et Marie-Laude Alissamba chez les dames, cette dernière qui en était à sa première participation. C'est là où j'ai vraiment débuté ma carrière. Première grande médaille, on ne me considérait pas comme médaillée. Quoi. J'ai été peut-être, si vous voulez, comment on appelle ça, cinquième roue de la charrette. Et après, ça a été formidable. J'ai gagné la médaille qu'on ne s'attendait pas. Côté masculin, il y a eu les Jata, Legrand, Bazer, Hérault, entre autres. Mais le doublé de Vivian Rivière, longueur et triple saut, n'était pas passé inaperçu. Surtout, c'est 7,18 m à la longueur. Vers la mi-77, début 78, et Gabriel Jules m'avait téléphoné, m'avait dit qu'il y avait un grand événement qui se préparait. Donc il m'a sous sa férule. J'avais commencé en 78 à faire des travaux d'endurance. Donc il m'emmenait souvent sur le corps de garde, monter le corps de garde à pied, quelques petits sprints en montée. Et puis j'ai eu les conseils de Grand Abel, Paul. Pour les premiers Jeux, je pense que si les Malgaches étaient là, ça aurait été une autre paire de manches. Avec le record en point de mire, Vivian Rivière avait réalisé 7,18 m, mais il y a une petite histoire derrière. Ce jour-là, j'avais une envie d'aller faire un petit besoin. Et quand je me suis soulagé, et là, c'est là que j'ai fait le saut record. Parcours remarquable en tennis de table, 6 médailles d'or sur 7 possibles pour Maurice. Gilani Hosseini, Anne-Marie Liwaipang et Marlise Itier, autant de satisfaction, surtout pour Marlise, qui allait vivre une expérience somme toute intimidante. Donc, je me retrouve à La Réunion, à participer à ces Jeux, très intimidée. Comme je disais, donc première sortie en tant que sportive. Et assez intimidée par cette ampleur de jeux, où plusieurs athlètes de différents pays, mais surtout avec toutes ces disciplines autour de moi. Donc, et puis finalement, on rentre dans le sport, on rentre dans le jeu lui-même, on se retrouve devant la table de ping-pong, et là, c'est le naturel qui revient. Nette domination des nôtres en badminton avec un meneur de jeu hors pair nommé Ravin Sanrasagren, auteur d'un triplé. En tennis, malgré la puissance réunionnaise, Maurice s'en tirait bien avec la paire Kouako-Seuzier en double homme et Catherine Williams-Josiane Henault en double dame, deux médailles d'or acquises après haute lutte. En 79, on n'a pas eu beaucoup de préparation.
Donc, on est arrivé à ces Jeux-là. C'était pas la grande forme, mais on a fait quand même de notre mieux. Je me rappelle, je me souviens encore en double dame avec Catherine Williams. Et on a eu une médaille. Mais il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de participants. Ce n'était pas du tout la même chose qu'en 85. Noël Thérophile glanait également deux médailles d'or signées Wiping et Pindia. Alors qu'en cyclisme, le quatuor Anazor, Kélan, Fayol et Calypso renversaient les pronostics à l'issue d'une belle course. Ben réunir, tu as de l'équipe qui tu peux prétendre pour prendre et la médaille d'eau et la médaille d'argent. Et nous désuions tous le plan de Pachatan. Nous bien planons nous les courses, nous faisons porter ce travail-là comme il faut. Gabriel Tilly un petit peu plus fort que nous et nous bien qu'on porter ce travail-là, surtout nous. Gabriel nous fait lui donner un sacré coup de main comme si fait la locomotive, la dernière bout, que nous fait la différence parce qu'il a mis parcours. Déjà, nous tenons plus d'une minute, environ une minute de retard à Saint-Paul. Mais dans la sortie de Saint-Paul, nous avons juste quelques secondes et à la fin, nous sommes arrivés avec 8 secondes d'avance. Si les pugilistes séchellois étaient supérieurs, Maurice Sauvé l'a mise en boxe avec une médaille d'or grâce à Judex Basile chez les Lourds. Véritable tour de force pour notre équipe masculine de volleyball qui dominait la redoutable formation réunionnaise en finale sur le score flatteur de 3-0, une sélection qui s'était entraînée avec les moyens de bord. On n'avait pas de gymnase, on s'entraînait dans la pluie, sous le soleil, et les Réunionnais nous attendaient de pied ferme. Et ils avaient passé presque 2-3 mois en France pour préparer leur équipe. Et comme j'avais pas mal de copains dans l'équipe de la Réunion, et ils m'attendaient, et en me disant même que on va vous mettre 3-0. Mais je crois qu'on avait une ambiance extraordinaire, encadrée par l'entraîneur Jean-René Moutia et Bosquet. Et on s'était entraîné vraiment pour la médaille d'or. Une médaille d'or célébrée d'une manière très particulière et pas du tout au goût des Réunionnais. Lors de la finale contre la Réunion, justement, où on a gagné 3-0, juste après le match, je crois que les Réunionnais n'étaient pas habitués aux pétards. Quelqu'un a éclaté un paquet de pétards dans la salle. Même le préfet s'est tiré avant la remise des médailles. Même l'armée est arrivée dans le stade, etc. On avait des supporters extraordinaires. Nos basketteurs obtenaient quant à eux le bronze en s'imposant face aux Seychelles en match de classement. Mais la grosse déception en football avec l'arbitre français Michel Vautreau refusant 3 buts aux Mauriciens face aux Seychelles en demi-finale, une élimination sans gloire. La Réunion, des pays hôtes, tu organises ça, tu as envie de gagner ça. Malheureusement, on annule 3 buts qui sont bien valables. Et tu mérites ce match-là pour gagner, pour le final. Une grosse déception parce qu'après, tu n'as pas posé ma troisième position. Je n'ai pas réussi à aller parce que tu n'as pas de bis-bis, pas de manzoya, parce que tu es découragé. Mais nous réussissons à aller quand même parce que tu mets le match un peu trop loin. Tu mets ça à Saint-Pierre avec 25 équidations. Cela, malheureusement, on arrive tard là-bas. Nous n'avons pas réussi ce match-là, mais nous ne terminons pas la même. En rugby, Maurice s'est bien battu lors des deux manches, l'opposant en finale face à la Réunion. 2 défaites, mais Maurice sortait néanmoins la tête haute. En natation, les meilleures performances mauriciennes se situaient au niveau des relais chez les dames. Même scénario en masculin, où les garçons obtiennent l'argent lors des relais. Et en individuel, le seul Jean-Claude Farla empêcha l'emprise réunionnaise. Plus chanceux en voile, avec une médaille d'or pour Maurice, Rouillard allait démontrer sa maîtrise dans la compétition de planche à voile dans la catégorie des moins de 65 kg. Maurice a terminé ainsi la première édition avec 31 médailles d'or, 43 d'argent et 38 de bronze. Une performance plus qu'honorable pour une grande première. La fête prenait fin le 2 septembre où le drapeau était remis au ministre mauricien de la Jeunesse et des Sports, Haridev Ramchon. Voilà, quand le Pécose, 40 ans d'histoire,
de rétrospective des Jeux des îles de l'océan Indien avec la participation de différents athlètes venant des différentes îles de l'océan Indien. Certainement, aujourd'hui, vous êtes une dirigeante, aujourd'hui, vous pouvez donner un coup de main encore pour faire avancer le sport mauricien. C'est aussi, Vivian Graham, beaucoup d'expérience acquise par les uns et les autres pour faire avancer cette discipline et dans l'ensemble, le sport. 79, est-ce qu'il nous capable de dire vraiment c'était le tremplin pour qu'il nous récolte d'autres moissons? Oui, 79, le tremplin ou déclic pour le monde sportif à Maurice. 79, remarquez que la délégation mauricienne en 79 tient environ 60% athlètes qui, première fois, quittent le pays, qui, première fois, comportent une compétition internationale en dehors ou à l'île Maurice. Ça, c'était le déclic. Étant nous retournés de la Réunion, tout du monde t'attend quand 1983. C'était Maurice qui prend le drapeau pour que Maurice organise en 1983. Bon, pas pour venir l'histoire, bon, pas pour venir politique, mais après, en 85, ça déclin commencé en 79. C'est une des raisons que toute la nation mauricienne, si derrière l'équipe de Maurice, quand je parle l'équipe de Maurice, pas un sportif seulement, l'équipe de Maurice, les organisateurs, le gouvernement, le ministère, toute la nation était derrière cette équipe pour réussir. Quand on peut dire tremplin, je pense, moi, par exemple, en 1979, au niveau de la natation, il y a 24 médailles d'or à pouvoir, 24 à la Réunion, ou Mazinou, nous typiquons ça, hors antenne, quand Sultan Biari gagne une médaille en 85. Mais qui ça exploite là? Ouais. Maurice casse l'hégémonie. Avec l'étang Sultan, nous tout connaît. L'étang Sultan, il gagne une médaille d'or à la piscine, dit Maurice s'est arrêté. Comme si l'étang Buckland, s'il avait fait une finale championnat du monde. Maurice s'est arrêté. S'est arrêté de vivre. C'était comme ça. L'étang Sultan Biarri, s'il gagne une médaille d'or, il casse ça. Sa supériorité qu'il a réunion, s'il a là. Nous pécose aussi fierté de l'athlète. Margaret, où tu peux possible dans le lancer du poids, ouais, lancer du disque. Et Finena, en deux occasions, au final, au Corisma, deux Mauriciennes sur le podium, oui, avec vous-même aussi, avec une médaille autour du cou. Raconte-nous, oui, un peu cette expérience de 79-là. Comment ça s'est passé? Quel était le niveau de la compétition? Niveau compétition, c'est assez haut. C'est mal, il faut lutter. Il faut lutter pour chaque fois qu'on peut lancer, et quand on peut la danser, le tlapé des passous. Après ça, les là où je vais dire, on comprend, les là où je dis, non, moi aussi, moi, j'ai fait plus bien que ça. Mm-hmm. On comprend. Mais là, moi avec Marie-Lou, là, nous la guerre. Marie-Lou, une sortie première d'emploi, moi, une sortie troisième, seconde, tiens, rayonnaise. Dans le 10, c'est Linda Monti, sortie première, mm-hmm, toujours deuxième, une rayonnaise, et moi, troisième. Et aujourd'hui, Margaret, vous apportez l'expérience pour d'autres jeunes qui, oui, emboîtent le pas. Oui, 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 oui. Comment ça se passe un petit peu le coaching maintenant? Ça se passe bien. Aussi. Comme nous causons avec mes enfants, je t'écoute. Je te dis, tu as envie de venir faire un peu d'exemple. Vous racontez 79 un petit peu? Oui, oui, ça fait mon racontez. Oui, donc peut-être que tu as envie de faire comme Aou, oui, faire comme Marilo Lali Samba en 79, oui, Linda Monti. Linda Monti. Trouve une place, oui, Silvio Diatta, nous citons lui dans la vidéo, qui a été un des premiers Mauriciens, sinon le premier, à avoir remporté une médaille d'or pour la République de Maurice. Alors, quand on peut être dans toute sa évocation-là, 79, eh bien, évidemment, tu es quelque part, sans qu'il nous évoque 85, tu as une revanche à prendre pour le football mauricien. Définitivement, tu as une revanche. Au moment où tu attends que 85 vienne, pour qu'il nous soit capable de prendre une revanche. Mais, bon, quand je dis que nous nous satisfaisons avec nos performances, en tant que football, hein, nous faisons ce qu'il nous est capable, mais malheureusement, hein, nous pensons nous pénaliser par l'arbitre, mais c'est le jeu. Hein. Le directeur du jeu, c'est l'arbitre. Et moi, je crois que c'est dans plusieurs joueurs qui viennent en nous, qui réservent, Salim Moussa, qui l'ont tombé et tout là, et c'est à ce moment-là qu'il a le prendre une revanche en 85. Alors, peut-être est bon qu'il évoque ça, ou sur le plateau, bientôt nous prenons le même représentant dans différentes disciplines, en particulier le football, pour une adversité, qui nous connaît, qui, oui, peut-être, certaines circonstances, l'équipe adverse
peut-être mieux préparé, ne peut pas connaître les circonstances, mais où, comment, qui conseille ou tu as donné un jeune, un futur représentant de l'équipe de Maurice, vous êtes capable, surmonte ça, un obstacle, qui est capable de venir devant vous là. Nous, Mauriciens, il y a des affaires que nous avons. C'est la hanche, c'est la volonté, c'est l'envie de gagner. Et gagner la médaille d'or. Et c'est ça qui donne nous. Quand toute l'équipe Maurice peut mal jouer, un coup de poutouline déclenché, il y a ce spark-là qui parfois vient dans nous. Mauriciens content de gagner, il n'est pas content. Comment dire, sur le second, sur la troisième. Et c'est ça qui est la force des Mauriciens. Et nous avons beaucoup facilité, nous avons un entraîneur national, Akbar Patel, qui nous suit pour la sélection lui aussi, qui peut entendre cette équipe-là. Et moi, je crois que c'est plus Mauricien, étant Maurice de football, surtout à Maurice, quand nous, des fois nous gagnons médaille d'or, c'est à Maurice. Et il y a une troisième force qui nous fait nous gagner ça. Hein? C'est spectateur, stade plein, bleu. Là où elle gagne football, là où elle gagne tout, 20, un match de première division, 10, 12, 10 moun, mais l'étant sélection Maurice, jouer pour les Jeux des Îles. Où on a un stade 10 moun en dedans et un stade 10 moun de haut. Donc c'est ça, la force. C'est aussi, ou même une connerie, Judex, Romy, c'est la tous force ceux qui t'y représentent. Les supporters des Mauriciens qui ont envie de gagner. Quand tu as envie de gagner, tu fais ou envie de gagner. C'est la fierté de porter le maillot. Quand nous mettons un tricot, nous défendons ce couleur. Avec tout ce qu'on a. Et des fois, on a besoin de s'y partout. Alors, Judex, l'expérience de 79, comment les PC à vie, ou si ou dans le coaching, qui PC à vie, le ben représentant en boxe, surtout dans l'échéance de 2019. Et non, mais il faut dire aussi, si nous remontons à 79, quand Maurice, il ne prend pas surprise, Seychelles, c'était l'équipe surprise. Parce que c'était Maurice, la Réunion, qui est bien connu. OK? Et alors, Maurice, il espère qu'à peu près 3, 4 médailles d'eau, même 5 médailles d'eau. Et c'est les Seychelles qui ne prend, et avec 6 médailles d'eau. Avec Maurice, une seule médaille d'eau. Alors, pour commencer, vers 85, là aussi, là, nous mettons les bouchées doubles. Là, nous comptons toute la force de tous les boxeurs. Et là, ça a commencé. Et 85, même si on pense au petit premier, avec quelques contestations, tu aurais dû sortir premier. Mais puis aussi, en 2003, là, et au fur et à mesure, là, nous trouvons que même 2003, Maurice, nous sortit premier en boxe. Et ça peut venir, et m'espérer cette année-ci, ça peut créer un déclic pour le 10e jeu, contre Maurice aussi, et l'équipe de boxe, nous perspecte pour sortir premier dans l'équipe dans le tournoi. Alors, ça nous servit beaucoup de choses, et de génération en génération, parce que finalement, on a 4 décennies, ok, et en même temps, chaque groupe essaye d'une chose, Gaiman Richard Sonny, et puis Gaiman Motimiado, un groupe échangé, et puis c'est un aller comme ça. Et là, nous une autre génération qui est menée par le vétéran et Richard Nicolin, qui parlait Séguin sur 3e médaille d'or. Et nous pensons l'équipe peut bien aller. Alors, au niveau du sport collectif, Romy, car comme on dit, 40 ans d'histoire, mais 40 ans que nous évoluer, mais il reste quand même une faiblesse qui souvent nous évoquait, le sport collectif mauricien. N'est pas ce qu'il est capable d'être. Le sport collectif mauricien, ce qui nous dépend, pas comme athlétisme individuel, à tête là, il est content, il fait son maximum. Dans le sport collectif, nous dépend beaucoup de nos partenaires. Très souvent, quand nous venons, même dans l'équipe, avant de venir dans la sélection, je ne joue pas venir. Moi, je joue en retard. Et ça, pas bon. Mais nous avons une culture à l'époque. On ne connaît pas. Pourquoi on parle comme ça maintenant? Sa culture-là, quand on disait, vine 4 heures à l'entraînement, 4 heures de tribune de l'entraînement, 4 heures moins 5. Mais c'est parce qu'il fait, mais il y a un but dans la vie, pour le sport. Quand on est dans le sport, il y a un but pour réussir. Ça même, nous entraîneurs, qui inculque nous, dire jamais sorti. Le fait que dire là, pas sorti deuxième, vise première place. Pour ne pas prendre part à une compétition pour perdre. Ou prendre part à une compétition pour gagner. Or, de ce fait, aujourd'hui, là, le sport collectif nous dépend. Chacun de nos autres camarades, si nous manque un joueur, l'entraînement pas pareil. Or, c'est là tout le sérieux qui m'a un athlète bizarre comme dans le passé, pour nous capables de remporter une médaille, j'ai besoin de mettre le sérieux. Je trouve beaucoup de dirigeants qui donnent ça à fond pour réussir dans ma discipline collective. Et ça,
nous tiers ça pour besoin, mais maintenant, la grande part revient à l'athlète qui, demain, il peut dire, mettre sa maillot-là, ou besoin mouiller sa maillot-là. C'est ça qui est important. Voilà, mettre du cœur à l'ouvrage, espérer qu'il y pour le cas pour cette année 2019, quand nous pouvons accueillir la 10e édition des Jeux des îles de l'océan Indien. Avant qu'il nous fasse un dernier tour de table avec nos ben invités ce soir, Omid Joganaïklou, Judex Basile, Nirmal Rewam, Margaret Félicité, Vivian Gangaram, laisse-nous guette la cérémonie de clôture, que tout doit être rappel, que le drapeau des Jeux finit d'être remis à un représentant mauricien, le ministre des Sports de l'époque, et puis en 85, le petit host, la 2e édition. Dimanche 2 septembre, cérémonie de clôture sous le signe du folklore, de l'émotion et d'une certaine nostalgie à l'heure où le rideau tombe sur la grande fête du sport et de l'amitié. Au nom de M. Valéry Giscard d'Estaing, président de la République, je proclame la fermeture des premiers Jeux des îles de l'océan Indien et je convie la jeunesse présente sur ces stades à s'assembler dans 4 ans à l'île Maurice pour y célébrer avec nous les 2e Jeux des îles de l'océan Indien que le gouvernement et le peuple mauricien ont accepté d'organiser. Je confie ce drapeau à Monsieur le ministre Rapchon pour être remis au comité d'organisation des 2e Jeux des îles de l'océan Indien. Dernier tour de table pour ça, l'émission spéciale qui nous peut faire dans le cadre des Jeux des îles de l'océan Indien, le grand départ 1979, nous finit évoque dans les grandes lignes, comment vous êtes fin de vivre personnellement
ces premiers Jeux à l'île de la Réunion. Sans doute, il y a une anecdote, nous capables, 40 ans après, Romy, Judex et les autres, disclose certaines anecdotes à vous de jouer, comme on dirait, Romy. Dans le volleyball, avant nous, les mêmes, qu'ils amènent arriver dans un tournoi international, on appelle un tournoi international, c'était un petit dispute dans le choix d'hiver. Pour la première fois, l'équipe volleyball, la Réunion est très jouée. Ils ont métier dans les annales. Il fait une concession, un bon joueur qui vient en sélection, pas de rentrée. Finalement, il met les jouets, mais il vient là-bas comme un joueur, un spectateur, mais c'est moi qui dans la sélection. Mais ça rappelle-nous, quelle qualité pour gagner place dans la sélection est difficile. Très difficile. Très difficile. Mais quand même, nous avons beaucoup de plaisir à participer dans nos premiers Jeux des îles. Tout l'honneur revient non seulement à l'équipe de volleyball, à toute la nation, tout le dirigeant qui nous prépare ça minutieusement. Parce qu'il n'est pas facile demain faire une équipe, comme je viens de dire, partie pour aller, parce qu'il n'est pas une, sa première fois, il y a une participation. Donc, à partir d'un jeu, ce n'est pas Algérie, non, aller, nous avons une équipe aller. Mais l'ensemble, toute discipline, c'est la première fois. Et chapeau bien à tout le dirigeant qui nous a à cœur. Pour faire sa départ-là à La Réunion et participer, bien nous retourner. Alors, souvent, on gagne l'occasion, cause avec Judex, c'est une question très technique, catégorie de poids, chance des uns et des autres. Mais est-ce que vous êtes capable, dis-nous, ou un peu derrière les rideaux, comment ça s'est passé? Je veux dire, au niveau de La Réunion même, lui-même, peut-être, comment vivions, tu peux dire, et là, dis-moi, une première fois, on est à La Réunion, comment vous view un petit peu, vous adaptation, par exemple? Non, mais pour nous-mêmes ici, pour ici même, avant de commencer, et c'était très difficile pour la sélection, pour préparer la sélection, tout ça. Parce qu'en ce temps-là, il y avait deux fédérations qui étaient en parallèle. Il y avait MSA, et Mauritian Sports Association, et puis il y avait l'Association Mauritienne de Boxe. Il y avait beaucoup de disputes, beaucoup de choses. Tout ça, ça fait partie des anecdotes. Et pour la sélection, ça était un peu difficile. Et pas trop grand de préparation. Et même à La Réunion, mais moi j'étais moins expérimenté, mais il y avait beaucoup, comme Gervais Paya, comme Gilbert Rosili, tout ça, c'était des boxeurs qui avaient une dizaine d'années derrière eux, et pour ça. Mais moi pour terminer, et pour comme si le jeu des îles là ici, je vais vous demander aussi que c'est que, et en même temps ça se passe bien. Il faut une synergie, une bonne synergie entre l'athlète, la fédération et le ministère. Et puis, si sponsor met un petit plus dedans, vous pensez nous faire un très bon jeu des îles. Sans compter le public et les médias qui nous besoin le public qui vous suivent. Le public qui vous suit. Mais là, comme les préparations et toutes les choses-là, et vous pensez nous faire un très bon jeu des îles. Avec Niamal, vous pouvez emprunter une anecdote de lui-même qui, dans le domaine de conversation, me retenir. Qui finit dans deux sportifs, deux footballeurs, qui finit gagner une médaille dans une discipline autre que le football. Silvio Giatta en athlétisme et Nano Sosier en tennis. De ex-international de foot, hein. Et des grands joueurs. Hein. Silvio Giatta, c'était un pilier dans la défense mauricienne. Nano Sosier, qui ne connaît pas Nano Sosier. Et ça fait plaisir, hein, qu'il y ait un ancien footballeur qui est reconverti dans l'athlétisme et le tennis. Ils ont gagné une médaille d'or pour le premier jeu des îles. Et ça reste gravé, hein. Ça reste gravé. Donc, moi, ce qui me tient à pour dire, au niveau football, une affaire qui peut-être ne pas dire qu'elle est là, Maurice, là avec réflexion, vous pensez qu'il fait peut-être pour les premiers jeux des îles, un petit peu, les jeux un petit peu over 20. Qu'il fait, parce qu'ils disent avant, un mois avant, nous jouions contre le bulldozer africain, c'est-à-dire la Tanzanie, et nous battions 3D. Donc, c'est une référence. Hein. C'est pas à donner à toute l'équipe pour battre la Tanzanie. Nous, tu battes la Tanzanie 3D. Là, on peut penser que peut-être que tu vas ouvrir contre. Mais c'est moi, je voudrais dire que je suis très content qu'en 1985, nous gagnions médaille d'eau. Et je pense que jamais 203. Hein. Nous cross fingers pour ce résultat-là. Sans doute, Margaret et Vivian, qui finissent vivre avec autant d'athlètes en athlétisme, c'est une grosse délégation, Vivian, mais où personnellement, comment vous finissez récit, on va dire, dans sa manteau,
d'entraîneur, parce que vous finissez toutes les étapes dans l'athlétisme. Hein. Mon besoin retourne sur ce que Romine dit. L'India, première fois, une équipe volleyball finale avec 13 joueurs. Nous, l'athlétisme, nous sommes à La Réunion avec 21 coureurs en plus. Athlètes, en plus. Qui fait? Comme Judex India, à l'époque, c'est un conflit ministère-MSA. Il y avait deux fédérations dans toutes les disciplines. Dans toutes les disciplines. Et à ce moment-là, il y a une réussite, on est d'accord. C'est un comité qui est présidé par Sierra Walter. C'est un comité qui est présidé par lui pour former l'équipe mauricienne. Alors, finalement, win-win situation. Une autre anecdote que Thabon nous connaît, ce comité-là s'y donne MTTB pour faire billet. Et tout à la dernière minute. Sa quantité de billets là, MTTB pratique à faire. Alors, Fenagdan, tu amènes un billet MSA, tout le monde rempli. Tu en as 5, 6, du moins les 10 remplis. Rempli maintenant. C'est comme ça que les billets tu fais. Et nous, tu as beaucoup du monde dans presque toutes les disciplines. Et ça, c'était le folklore. Mm-hmm. Mais ça m'a qui termine là-bas comme spectateur. Je suis partie prenante dans l'équipe, hein, dans toute délégation, je suis partie prenante. Et c'est là que je l'ai aidé pour former ça, l'équipe mauricienne à la veille. Margaret, nous laissons le mot de la fin. Hein. 79, nous faisons cause beaucoup de différentes disciplines. Nous faisons gagner la fierté, applaudir. À l'époque, patina les moyens qui nous ont aujourd'hui au niveau de l'audiovisuel, télévision, nous écoutons souvent à la radio, ou l'exploit, Romy, etc., Judex. Et ou personnellement, 79, une anecdote qui ou capable de raconter avec un proche partage aussi aujourd'hui avec les téléspectateurs. Oui, parce que 79, comme on vivait en Pédienne, nous étions un spectateur, tout cela, c'est bien solidaire. Quand on est un athlète, tout le monde des autres disciplines, cela, je te suis une regarde. Et 2019, là, nous pouvons dire, on encourage nous un athlète, vous êtes fait plus mieux qui nous en 79. 79, pas si gagné, t'en fais du tourisme. Non. Non, pas du tout. Non. C'était du sérieux. Oui, du sérieux, oui. Voilà, c'est avec le sérieux, comme on finit hier, ou même, qui nous capable, encourage nos ben représentants pour l'édition 2019, continuer. Il reste encore 6 mois pour être capable d'être sur le podium et constituer vraiment une belle équipe pour nous capables de gagner la meilleure moisson de médailles possible. Nous rappelle qu'en 1979, Maurice Titermine, deuxième derrière La Réunion, lui qui remporte 31 médailles d'or, 44 d'argent et 38 de bronze. La dernière édition qui tient à l'île de La Réunion, Maurice il gagne 66 médailles. Peut-être qu'il s'en allait là encore, nous pour améliorer le résultat. Donc, à ceux qui peuvent nous, qui peuvent représenter Maurice, nous dire tout simplement, beaucoup, Vivian, Margaret, Romy, Judex et Niamal qu'il a, et dans tant d'autres qui nous représentons 79, de type dire en un seul mot, si tu as une seule phrase pour terminer, ben, à vous de jouer, à vous de bien représenter l'île Maurice. Quant aux téléspectateurs, nous donnons rendez-vous le mois prochain pour une deuxième édition consacrée à la rétrospective des Jeux des îles de l'océan Indien. Cette fois-ci, nous mettons le focus sur ce grand défi qui a été relevé par nos pays en 1985. Et pour terminer avec une fierté mauricienne, laisse-nous regretter l'exploit qui est réalisé par Silvio Giatta et les sœurs Nérac en athlétisme, Annabelle et Josiane. Madame, Monsieur, merci de vous l'attention et nous donnons rendez-vous à la prochaine fois pour une autre émission consacrée aux Jeux des îles de l'océan Indien. Au 110 mètres, pas de surprise avec la victoire du Mauricien Giatta en 15 secondes 6 dixièmes, un temps modeste, devant Charles Montrouge de La Réunion et Josiane Philippe de Maurice. Comme dans la plupart des disciplines, ou plutôt des épreuves, on a assisté à un duel, le Maurice-Réunion. Monsieur Jean Delette, le président du Comité international des Jeux, remet ici la médaille à Giatta de l'île Maurice. Autre athlète qui s'est distinguée, Annabelle Nera de l'île Maurice, vainqueur du 800 et du 1500 mètres. Cette athlète, âgée de 17 ans,
a encore de larges possibilités de progression sur le plan international. Victoire d'Annabelle ici, devant sa sœur Josiane. Annabelle Lera, vous venez de remporter une médaille d'or et un doublé pour les CEMRA. Je crois que ça vous fait plaisir. Je crois que c'est ma sœur et sa seconde, je crois que ça me fait encore plus plaisir parce qu'elle a très bien joué. Est-ce que vous avez eu des difficultés dans cette course? Non, j'aurais pu aller quand même plus vite si j'avais été plus sollicitée, mais il ne faut pas que j'oublie que j'ai quand même des autres courses. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire maintenant dans cette compétition? Alors, il nous reste demain la finale du 1500 et puis le 400 jeudi, si je suis qualifiée, et le 4x400. Vous espérez remporter combien de médailles? Écoutez, on ne peut jamais dire. J'espère gagner le 1500. Le 400, ce serait très difficile. Et puis j'espère 4x400 aussi.